la 23e édition du Festival de l'Alpe d'Huez. 23 déjà. Ouais. Le président, c'est José Garcia. Il y a même un badge à l'effigie du président, oui, José. Que les gens y croient, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore. José, président, c'est une manière de postuler. Quel genre de président serez-vous, José Garcia? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai jamais été président de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été dans un jury. Je ne sais pas du tout. Envie de quoi? Comment juger des films de comédie? Oh, envie de plaisir. Parce que le cinéma, c'est le plaisir. C'est très difficile parce que généralement, on arrive avec beaucoup de pression. Beaucoup de gens vont arriver ici parce que c'est un festival super important. Les trois quarts des films qui sont sortis d'ici, même la plupart des films ont été les succès de ces 23 dernières années. Parce que je peux vous le dire, ça ne me rajeunit pas à mort, mais j'ai été là le premier jour avec La vérité si je mens 1. Première édition, ça ne nous rajeunit pas, donc 23 ans avant. Et puis voilà, c'est 2020, j'aime bien, c'est une belle note ça, 20 sur 20 pour un cancre. Moi je note que dans ces comédies, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices cette année. En revanche, il y aura Catherine Deneuve, alors ce ne sera pas là pour les raisons qu'on sait. Il y a Isabelle Huppert qui vient. Donc la comédie, ce n'est pas que de la comédie à sketch. Ce qui est super important, c'est que souvent dans le cinéma d'auteur, nous on a la chance de pouvoir aller dans le cinéma d'auteur. C'est très important qu'il y ait des comédies d'auteur qui viennent aussi au Festival de la PUS. C'était vital. Écoutez, je voulais qu'il y ait de la jeunesse, qu'il y ait de l'énergie, qu'il y ait aussi la capacité de pouvoir discuter des films. C'est pour ça qu'on a nos deux superbes actrices qui sont d'une autre génération. On a Bob Sinclair qui lui vient carrément du monde de la musique. Il fallait de la fraîcheur, voilà. La comédie doit faire du bien, la comédie doit rendre heureux dans des moments où peut-être le paysage et la société ne va pas très bien. Très, très dur. Bah, écoutez, et c'est ce que je voulais dire surtout. On n'est pas là pour faire comme si rien n'existait. On sait très bien qu'en ce moment, dans les temps qui sont terribles, dans le cynisme, dans la violence, dans le manque de respect des uns et des autres, la comédie, c'est le lien. Et nous, notre fonction en tant que clown, c'est surtout de donner du plaisir 5 minutes aux gens. Voilà. Merci, José Garcia, président du 23e Festival de l'Alpe d'Huez. J'ai un croissant qui m'est resté coincé sur l'estomac ce matin. C'est drôle, ça. Ça, c'est une bonne vanne. Ouais, c'est une bonne vanne.